Hello les copinous. Coucou les copinous, on espère que vous allez tous très très bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, on se retrouve aujourd'hui, nous filmons en soirée parce que papy va venir pour aller à... Tu te rappelles ou pas? Non. Donc on va aller à Cultura. On a été invité à la soirée Cultura. On est allé une fois pour la scolaire de l'école. Les fournitures scolaires, on y était allé. Oui, et voilà. Là c'est pour un nouveau truc. Voilà, donc aujourd'hui on va découvrir les soirées Culture Addict. Ben, c'est la première fois qu'on y va, donc on vous amène avec nous, on va découvrir ça ensemble. Il y aura des ateliers, il y aura des produits à découvrir. C'est bientôt le Black Friday et on va pouvoir bénéficier des soldes en avant-première. Eh ben moi j'adore quand je fais des ateliers et je sais c'est quoi les ateliers. Oui. C'est quand on s'amuse. Ah oui, on s'amuse, on découvre des choses. On fait ça folle. On fait ça folle aussi. Oui. Je crois qu'il y a des ateliers pour les grands et pour les enfants ou pour les moyens. Bon, on va découvrir tout ça ensemble. D'accord, petit cœur? Allez, c'est parti, on se retrouve là-bas. Coucou, bé. Alors, ça y est, nous sommes rentrés. La soirée ne va pas tarder à commencer. Alors, en attendant, Maëlia regarde un peu les jouets. Ah oui, ça c'est la serre, c'est comme la serre qu'on avait. Et Maëlia a déjà repéré le sable magique. Oh. T'as vu? Ouais. Alors Maëlia, est-ce que tu te rappelles ce qu'il va y avoir comme atelier? Non. Alors, on va avoir un atelier sur les boules de Noël, un atelier avec de la pâte à rêve, c'est une pâte à modeler qui sèche au contact de l'air, enfin elle sèche toute seule, donc on va peut-être essayer de faire ça aussi. On a ici un atelier pour colorier le bateau, donc les enfants vont pouvoir colorier tout le bateau, ça va être super. Alors, nous arrivons au stand des boules de Noël. Alors ici, on peut découvrir des nouveaux jeux de société. Chacun va avoir une combinaison de ces trois à découvrir. Alors papy va essayer. Il va falloir prendre les pions avec les mains. J'ai pas vu, vous avez choisi ça. Continuez comme ça. C'est la même couleur du coup. Oh. Ah dommage. Perdu. Papy a essayé son premier jeu d'habilité. T'as pas réussi hein. Ouais. Avec les mains, il fallait prendre que les cloches de la même couleur, donc c'est pas évident.
Allez, on va voir les autres stands. Maëlia va faire une boule de Noël. T'avais celui-ci avec le papa Noël. Et t'as ce modèle là. Qu'est-ce qui te ferait le plus sympa? Tu peux la poser, hein, ouais, le papa Noël. Allez, passe pas. Et Maëlia repart avec sa boule de Noël, on pourra l'accrocher au sapin. Nous sommes au rayon de la pâte à rêve. On va essayer la pâte à rêve maintenant. C'est quoi ton prénom? Maëlia. Maëlia. Il y a les petits modèles en fait là, déjà, et du coup l'idée c'est de faire son petit bonhomme de neige, son petit papa Noël. Oui, je vais mélanger les couleurs. Ah, ah, elle adore mélanger les couleurs. Maïa. Alors Maëlia a fait tes fétis de Vaiana. Voilà, on la reconnaît bien comme ça. T'es contente, chérie? Maëlia va faire un mug de Noël. De retour. Oui. Alors comment c'était, Maëlia? Tu t'es bien amusée? Oui. Oui.
donc il y avait plein d'ateliers, il y avait des enfants, il y avait des parents, des jeunes, ados. C'était franchement très très sympa. C'était leur première soirée et je trouve que franchement c'était réussi. Il y avait une super ambiance, les gens étaient vraiment là pour passer un bon moment. Et franchement ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien de se retrouver là avec les parents, les enfants. Et nous on s'est vraiment très bien amusés, moi je me suis régalée à filmer Maëlia. Et aussi j'ai fait un truc. Alors elle a fait son petit sapin en pâte à rêve, donc voilà, on pourra s'en servir de décoration. Et elle a fait un petit mug trop joli, elle a aussi fait une boule de Noël. Et voilà, c'était une superbe soirée. On espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, on va remercier aussi l'équipe Cultura pour leur accueil, ainsi que pour le petit cadeau que Maëlia a eu. Qu'est-ce que tu as eu alors? Donc Maëlia est repartie avec son petit coffret de pâte à rêve. Elle va pouvoir en faire. Je vais faire un petit Olaf. Elle va faire un petit Olaf. Ouais. Donc il faut que je regarde bien ici comment il s'est trouvé. Oui, ben là t'as le modèle. Et on vous montrera le petit Olaf que Maëlia aura réalisé avec la pâte à rêve. Au revoir les copines. Au revoir tout le monde. On espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, laissez-nous des pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait super plaisir et ça nous encourage. On vous fait des gros bisous. Et on vous fait des gros câlins. Bye bye.